On réessaye ça. 3, 4, 1. Éventu dénuement, savoir se détacher, ça doit être ouvert, ouvert. Et ne pas s'en réjouir. C'est une opportunité. On est entouré vraiment de des gens qui sont dans ce monde depuis des années, et des professionnels quoi. Et c'est un grand cadeau de pouvoir vivre tout ça à Lourdes, ici. Il y a des harmoniques dans la voix. Là, elles sont plus fortes. Donc si les harmoniques sont plus fortes, ce n'est pas forcément des notes qu'on entend, c'est un ressenti général. Et ça, il faut l'obtenir. Est-ce qu'on peut la refaire une fois directement? Dès votre entrée, même si le volume est moins fort, on doit avoir ce son-là. On l'essaye? Cool. On fait la même. Yo, 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 yo. Yeah. Comment ça va? Eh bien, ça te dit. Bon. Forme. Ben oui, tranquille, tranquille. Tranquille. Ah. Ah bah oui, on s'est vu hier, d'accord. Tu vas bien? D'accord, mais ton prénom c'est comment? Clément. Clément, bah David, enchanté. Ah, tu remplaces Arnaud? C'est ça, je suis Arnaud en gros. Oh, j'espère que t'es meilleur que lui parce que... tu vas être déçu. Comme ça? Ah non, non, non. Sur certains? Moi j'ai opté pour l'option aérodynamique au niveau des... d'accord, écoute, je t'ai pas sélectionné toi. Alors oui, bouge la tête pour voir si ça te gêne ou pas. Vous êtes prêts? C'est bon. 1, 2, 3. Ça va, je suis chaud. Je te visse le. Moi, le c'est sûr. Le micro. Ok. Donc là, micro. Et ir. Micro pour parler, ir pour. Écouter. Entendre. Entendre. Ce passage là une fois déjà. Oui, t'as les noms de tout le monde. Ouais. On est pas trompé. El Padre. Ah, tu viens faire une montante. El Padre, c'est moi ça, ouais. C'est le père. Là, je m'entends, mon micro, et c'est je m'entends. Et j'entends la musique. Et en. On fait sur ce passage là précis la rumeur, 4 personnes chantent. Tout le monde qui faisait des réponses fait du chuchoter maintenant. Ouais. En réponse à ce qui a été fait en lead, d'accord? Okay. Donc la rumeur, et là... Ça marche. 7, 8, 4, 3, 1. So, try to do it bigger. Boom, boom. So it should look like an army from front. Okay? Can we try just the movement 1, 2? Just that, 1, 2. So right feet. Yeah. Boom. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salut, je m'appelle David Bunn, je suis comédien et chanteur, je joue le rôle du père de Bernadette Soubirous dans le spectacle Bernadette Lourdes, et je vous emmène en coulisses. Venez avec moi, là vous avez déjà tous les costumes magnifiques qui ont été créés, ils viennent de pays du monde entier, l'Italie, la Bulgarie, le Canada, et voilà, ce sont des matériaux très 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 nobles. Regardez un petit peu la qualité, c'est un truc de fou. Florence et Muriel, salut les filles. Bonjour. Voilà, ici aussi il y a encore, voilà, il y a plein de costumes, les costumes des filles. Alors évidemment, ça pèse un petit peu et c'est surtout assez chaud sur scène parce qu'il fait quand même très très chaud. C'est ici que pendant le spectacle, en fait, quand on n'est pas sur scène, on peut très bien passer en dessous et faire un changement rapide. Qu'est-ce que c'est un changement rapide? C'est on passe d'un rôle de paysan à un rôle de noble. Ici, on a une télé qui nous permet d'avoir un visuel sur ce qui se passe sur scène. Ça, c'est ce qu'on appelle une conduite. Tous les noms des comédiens se trouvent ici, et en suivant la ligne, à ce moment-là, il met tel costume, à ce moment-là, tel costume, et c'est, voilà, ainsi de suite pour tout le monde, ce qui crée un peu cette sorte de chorégraphie. Et là, voilà, on est
quelques-uns des rôles principaux à être dans notre loge. Là, il y a l'abbé Péramel, Christophe Hérault. Ici, Grégory Deck qui joue Jacomet, le terrible Jacomet. Notre Daniel National qui, lui, joue 12 000 rôles. Alors, il joue l'évêque, il joue le médecin. Moi, je suis ici avec mon petit ensemble de maquillage. Magnifique. Ici, on a notre Cédric qui joue du tour. Là, on a notre greffier. Et c'est Guillaume qui est un petit peu la touche comique du spectacle. Diriger tout de suite du côté de l'espace Robert Hossein à Lourdes pour cette émission spéciale sur le spectacle sur Bernadette. C'est une comédie musicale qui allie théâtre aussi, c'est-à-dire que c'est pas une série de chansons, mais c'est bien, c'est une comédie musicale au sens Broadway, théâtre qui dialogue qui devient une chanson. En lisant le message de Bernadette, en lisant ce qu'elle a dit, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup cette jeune fille qui est fidèle à elle-même jusqu'au bout, qui est honnête. Je ne saurais jamais exactement ce qu'elle a vu, comment elle l'a vu, elle le décrit, mais je suis persuadé que ce n'est pas une menteuse. Avec Emma, on n'a pas travaillé la sainte, on a travaillé la jeune fille. On a travaillé, moi j'avais dit dès le départ, ce n'est pas la sainte qui m'intéresse, c'est surtout la jeune fille qui est devenue sainte, mais c'est nous qui avons décidé qu'elle était sainte. Elle, elle n'a jamais parlé de ça. Cette jeune fille qui voit un truc et qui va contre vents et marées, et avec Emma, on a réussi à trouver quand même comment une adolescente qui est prise avec les autorités ou les médias sociaux ou les médias qui se déchaînent autour d'elle, comment elle a négocié ça. Alors on a pu même trouver un lien entre Bernadette et Emma, l'adolescente, quoi. C'est impressionnant d'être dans ce spectacle. J'arrive pas trop à réaliser, je pense, pour l'instant. C'était comme un peu un rêve aussi de faire partie d'une comédie musicale. Et c'était un peu irréalisable, parce que je fais pas de théâtre. Et donc, le fait d'apprendre le théâtre avec Serge Denoncourt, c'est super. C'est une grande chance, en fait. C'est qu'on connaît Emma, la chanteuse. On connaissait pas. En fait, personne connaît. Vous allez la découvrir cette semaine. Emma, la comédienne, et elle peut pas le dire, mais moi je peux le dire. Très bonne comédienne, très très bonne comédienne. Un travail d'un an et demi presque, ouais. Patiemment, en complicité tous les deux. Moi je suis très fier de ce qu'on a fait, et je pense que les gens vont être étonnés de voir le talent d'actrice d'Emma. Quand on sait que l'amour ne porte pas. Dans les showcases, on a juste présenté les chansons. Et les gens, qu'ils soient croyants ou pas, en fait, ils ont tous été touchés par l'histoire. Et même, par exemple, les non-croyants étaient surpris parce que justement, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait tant d'émotions, en fait. Quand vient le souffle doux. Pas voulu que les sous, le spectacle emporte sur l'émotion qu'on a envie de partager avec le public. Je pense que ce qu'on rapporte à la maison, c'est rarement le décor, hein, c'est l'émotion qu'on ramène à la maison. Et ça a été notre travail pendant un an de dire il faut toucher les gens, il faut que cette jeune fille touche les gens. Et si ça se passe dans quelques jours, pour nous ce sera mission accomplie. Alors,
que battent les tambours, pour que s'éveillent les hommes sur terre, qu'ils disent enfin que pour toujours, elle sera celle qui nous éclaire. Aquera. Parfois on est ému pendant les répétitions, on est sensible au message, on est sensible à la musique, la beauté sur scène. Et il y a parfois des gens qui ont envie de pleurer ou qui pleurent. On ne raconte pas une histoire de, je sais pas, une fille qui vend des tomates au marché. On raconte l'histoire d'une fille qui a vécu quelque chose d'extraordinaire. C'est que ça, Bernadette. Et Bernadette a dit oui, c'est que ça. C'est une invitation aussi à rester dans l'action des grâces pour tout ce que nous avons. Chacun peut remercier à ce qu'il veut, pour ce que j'ai. Comme on dit, c'est une famille qui restait toujours unie, qui s'aimait. Bernadette, aujourd'hui, c'est chacun de nous. Du froid qui me saisit, je retiens la douceur des mots qui s'entremêlent. Le son de la prière, de la flamme des bougies, l'infini d'une lueur, de la nuit qui m'entoure, les ombres qui m'éclairent.
Il n'y a de vraie richesse que de savoir son défaire. Et de plus belle faiblesse que de perdre ses repères. Et même du dénuement. Il me fallait un orchestre. Et il me fallait quelque chose qui soit aussi important que cette histoire, aussi grandiose que cette histoire. Donc je suis parti de ce postulat de le travailler exactement comme une musique de film. Et pour ceux qui connaissent un peu les comédies musicales, j'allais dire mon référence était Les Misérables. Et si vous avez vu le film ou vu la comédie musicale, vous ne serez pas dépaysé parce que c'était vraiment dans cette ambiance-là que j'ai voulu rendre hommage à Bernadette. L'ultime vanité de ne rien posséder, et même du dénuement, et même du dénuement, savoir se détacher, savoir se détacher, et ne pas s'en réjouir, et ne pas s'en réjouir. C'est le rôle du père qui s'est présenté à moi lors des castings. L'intéressant, c'était à réussir à trouver la force de ce personnage et la pudeur de ce personnage. Et ce moment très très émouvant où il dit à sa fille qu'il l'aime, bah rien d'en parler, ça me met des poils. J'ai ton regard au fond du mien, et de l'amour qui me revient, des souvenirs qui pleurent en moi, mais on n'a plus le temps pour ça. Moi je suis papa de garçon et c'est vrai que ce rôle ça m'a touché en tant que père et en tant que fils. Avec l'enfance, je ne parlais que par silence. Est-ce qu'on a le père qu'on mérite? Est-ce qu'on mérite le père qu'on a? Sans un père, on n'est personne. On se perd, on abandonne. Mon père était en fauteuil roulant depuis l'âge de 8 ans. Et c'est pareil, mon père était quelqu'un de... Il me fait penser à François Soubirous justement, parce qu'il a jamais, jamais lâché ses enfants. Et... excusez-moi. C'est mon émotion. Moi, je trouve génial le fait que Lourdes existe, rien que pour ça, pour rassembler les gens. Et avoir ce moment de partage, parce que l'isolement dans une famille avec une personne handicapée, c'est très difficile à vivre. Et donc là, je trouve ça vraiment fabuleux que moi, pour ma part personnelle, j'ai l'impression de jouer utile, de chanter utile. En 2 secondes, ça monte. On le autofollow avec l'éclairage suivant. Ils sont déjà tous à foule, ces deux-là sont à foule. Tout est à fond. Et tout était déjà à fond dans la scène ou dans le nouveau cue. Remontre-le-moi sans musique là. Cadeau extraordinaire. Un petit goût de la grotte. Il est timide, il y a un caractère. Venez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Nous sommes rassemblés pour une bénédiction. Dieu, notre Père, tu as mis dans nos cœurs le désir de raconter l'histoire de Bernadette de Lourdes. Et tu as suscité autour de ce projet la participation d'un grand nombre d'hommes et de femmes. À quelques jours de la première représentation, Seigneur, nous voulons d'abord te remercier de l'aide que tu nous as apportée, du soutien dont nous avons bénéficié, des nombreux signes que tu nous as donnés. Daigne bénir toi-même ce lieu, daigne bénir toi-même toute la famille à laquelle nous appartenons, la famille de Bernadette de Lourdes. Sur la terre, notre sœur, notre mère, remplissez-nous de la lumière.
Emma, où elle est? Oui. Emma, tu ne te poses même pas la question, est-ce que je suis une bonne chanteuse, est-ce que je suis une bonne comédienne, t'es une bonne tout, il t'aime déjà, moi je vous aime un peu, et on se voit de l'autre côté du spectacle, mais si vous faites ce qu'on s'est dit, ça va être une super soirée. Allez, on envoie du lourd. Je ressens ton âme. Que du bonheur. Que de l'amour, que du bonheur. C'est merveilleux. Merci, Marie. Et les moutons. Oh, merci. Le fruit parfait de votre sang, pour les humains faibles et nus, je vous bénis, je vous salue. Madame, vous qui apportez à ce monde des feux de joie qui nous inondent, vous qui nous aimez tant et plus, je vous bénis, je vous salue. Serge, ça y est, la première, un mot. Très très content, très content. L'angoisse, est-ce que le spectacle sera reçu ou pas? Je pense qu'on peut dire, vous étiez présent, que les gens ont reçu le spectacle. Chacun a droit à son moment du spectacle, mais moi ce que j'avais besoin, c'est de sentir qu'ils ont envie d'entendre cette histoire, et je l'ai senti toute la soirée, et je suis soulagé. Pour le metteur en scène, c'est dur, c'est l'accouchement. Alors tout l'énergie tombe, mais je suis très très heureux. Il y avait un gros stress. Après voilà, on est un peu en communion et du coup je pense que l'énergie de cette histoire, l'énergie de tout le monde, l'énergie du public, ça nous porte. Il y a un partage tellement puissant entre nous tous que voilà, il fallait que ça explose à un moment donné. C'était ce soir à la sortie du spectacle, mais c'était un moment exceptionnel, donc c'est des larmes de joie évidemment. Et j'étais un peu j'étais émue, je sais pas. Ouais, c'est voilà. Ça. Toi aussi t'étais ému. Moi j'étais ému. Savoir que dans le spectacle, sur la chanson notamment du père, des fois elle me pleure dans les bras. Donc moi je suis là en face d'elle. Il faut que je continue la chanson, sympa. Et souvent on est complètement dans l'émotion. Sarah, sœur qui peut parler de nous, Emma. Enfin, bon, moi je sais plus quoi dire. En tous les cas, on vous laisse, mais ce qui est magnifique, c'est que les chansons sont contemporaines, on va dire, elles sont accessibles. Le texte, il y a 150 ans, ça marche aujourd'hui. Et ça, c'est une des grandes réussites, je pense, de ce spectacle aussi. Donc, merci à vous, les artistes, merci à ceux qu'on crée, et le show must go on. Hein. The show must go on. On reprend demain. Ah, yes. Là, avec impatience.